sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à notre grande dame en noir de Précy. Elle aimait Précy, c'était son jardin secret. Elle était discrète et bienveillante, de générosité. Elle s'engageait aussi bien pour les anciens qui la connaissent bien, peuvent en témoigner. Pour les jeunes du village, qu'elle aidait financièrement à partir en colonie de vacances. Impliquée dans la lutte contre le sida, elle mettait des préservatifs qui étaient à disposition dans une corbeille à la mairie. Barbara est restée et restera dans le cœur des Précyens. J'ai le devoir de vous lire un beau texte à la fois émouvant de sensibilité et drôle, écrit par Gérard Depardieu, qui m'a été remis par Béatrice, en hommage à cette grande dame de Précy. Barbara a tout compris, tout saisi, tout ressenti, tout reconnu. Je ne peux pas être parmi vous aujourd'hui, comme elle, je m'absente. Je vogue en Chine ces temps-ci, après les concerts donnés au Cirque d'hiver, où elle voulait que nous chantions Lily Passion. Je suis toujours en pensée à Précy-sur-Marne, avec la grâce, avec le parfum, le plus beau de la vie, avec la résonance vibrante et vivante du souvenir et avec le battement de cœur de notre Barbara. Je confie à Béatrice de Nouël An, la précieuse gardienne du temple, ces quelques lignes afin qu'elle les remette à Madame le maire qui vous les lira en hommage à notre Barbara. J'espère que votre mère n'augmentera pas les impôts locaux dans ce village désormais célèbre de notre reine. Ça, c'est Gérard, hein ? Oui, tout à fait. Alors, pour finir, plantez, faites fleurir des mimosas, appréciez les mimosas. Je vous embrasse de tout cœur, votre Gérard Depardieu. Merci. Bravo.